Des ovnis se sont-ils écrasés sur Terre? Avons-nous eu un contact avec des extraterrestres? Le gouvernement américain dissimule-t-il une énorme conspiration sur les ovnis? Derrière moi se trouve l'une des bases militaires les plus secrètes au monde, au fin fond du désert du Nevada. Le terrain d'essai de Groom Lake, également connu sous les noms de Zone 51 ou Dreamland, a abrité de nombreux projets secrets américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, depuis quelques années, des rumeurs bien plus inquiétantes circulent. Le gouvernement y financerait des recherches portant sur des engins extraterrestres récupérés après s'être crashés sur notre planète. Aujourd'hui, à partir d'éléments fournis par du personnel militaire de haut niveau, des ingénieurs et des scientifiques, nous pouvons révéler en exclusivité la technologie OVNI qui est développée ici, derrière moi. Il s'agit d'une chose que le gouvernement américain s'efforce de dissimuler depuis un demi-siècle. La véritable histoire qui se cache derrière Dreamland. Je suis convaincu, m'appuyant sur mes recherches et sur les personnes que j'ai rencontrées au sein du renseignement, que le gouvernement américain est effectivement en possession d'engins correspondant aux descriptions que l'on trouve dans de nombreux rapports OVNI. Tout le but du projet consistait à s'emparer de cet engin, en particulier celui sur lequel je travaillais, et de tester et reproduire ces systèmes et sous-systèmes avec des matériaux terrestres. Je suis absolument persuadé, de façon définitive, que nous avons retrouvé des vaisseaux extraterrestres, que nous avons eu des contacts avec des extraterrestres. Nous sommes en communication avec eux d'une manière ou d'une autre, car nous avons caché des cadavres et des engins extraterrestres. Je me trouvais à ce moment-là sur la plateforme du camion radar. C'était la nuit et je regardais le ciel parce qu'il y avait des soucoupes volantes. A-t-on retrouvé des cadavres d'extraterrestres? Pas des cadavres. Quatre extraterrestres, vivants et en bonne santé. Quatre extraterrestres bien vivants. Quatre spécimens d'extraterrestres, vivants et en bonne santé, absolument. Ils sont là. Quelle que soit son origine et la forme qu'elle adopte, il y a une intelligence étrangère qui magouille quelque chose sur notre planète. Je crois que les coups de gueule de beaucoup trop de gens viennent de là. Ils nous ont menti trop longtemps. Un tas de gens ont volé l'argent légitimement destiné à la sécurité nationale afin de perpétuer cette dissimulation. Ils ont mené des intrigues visant à désinformer la population américaine et probablement aussi des populations en Europe. L'Air Force sait qu'un ovni s'est crashé, que des cadavres d'extraterrestres furent retrouvés et qu'un appareil décolla pour donner la chasse à l'ovni et ne revint jamais. Ils savent que nous nous intéressons à l'affaire la plus importante de tout le millénaire. Établie sur un lac asséché dans une région reculée à 128 km de Las Vegas, la zone 51 n'est qu'une partie de l'immense base Air Force de Nellis qui présente à peu près la taille de la Suisse. Elle fut commanditée dans les années 50 par le président Truman pour servir de site top secret où l'on développerait et testerait la nouvelle génération américaine d'avions d'après-guerre. Durant la fièvre technologique des années 50, la base abrita rapidement les engins volants les plus exotiques de cette époque. Plus récemment, c'est l'endroit où l'avion furtif F-117 fut élaboré et où il effectua ses vols d'essai. C'est un endroit qui était connu, bien qu'officiellement nié, depuis des décennies. Revenons en arrière, dans les années 40 et 50, avec la mise au point de l'avion espion U-2 et du SR-71. Tous nos appareils ultra-secrets ont été mis au point et ont effectué leur vol d'essai dans cette zone précise. Le A-12, de sa naissance à son abandon, n'effectua des manœuvres qu'à partir de deux endroits. La zone 51 de Groom Lake était son affectation d'origine. Le premier appareil y fit son apparition en janvier 1962 et le dernier la quitta le 21 juin 1968. L'US Air Force nie l'existence de la zone 51 malgré les films montrant la base et des photos d'un satellite russe que nous avons obtenu sur lesquels on voit clairement des hangars et une immense piste d'atterrissage s'étendant en travers du lac. Si son existence a toujours été démentie, la base s'est cependant développée depuis les années 50. Désormais, plusieurs charters de passagers y atterrissent chaque jour, amenant des centaines de travailleurs à la base.
Avec un personnel aussi nombreux, il est évident que les quelques bâtiments pouvant être observés au-dessus du niveau du sol ne sont là que pour masquer de vastes structures souterraines. Le dispositif de sécurité mis en place est sans précédent et le secret est primordial. Depuis la fin des années 50, les militaires ont confisqué des centaines de milliers d'hectares de terrain environnant la base. Le périmètre interdit autour de la zone 51 s'étend maintenant à 40 km. Le statut confidentiel de la base est très très bien préservé. Et même si des employés parlent des essais des appareils U2 au cours des années 50, il ne leur est toujours pas permis d'identifier la base par son nom ou sa localisation géographique. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'il s'agit d'un établissement reculé. Cet endroit est un vieil anachronisme datant de la guerre froide. Il nous ramène au temps jadis et du fait que les militaires continuent à le traiter comme un établissement top secret, dénué d'existence, il attire l'attention. Évidemment, tout le monde veut savoir ce qui s'y passe. Aucun doute. La zone et ses équipements existent bel et bien. Le gouvernement en a très peu dit à leur sujet dans le passé. Qu'il s'agisse des essais du U2 ou du SR-71 ou encore du bombardier furtif. Les gens ont oublié que plus de 20 millions de dollars ont été dépensés pour la mise au point du bombardier furtif et qu'il fallut attendre plus d'une décennie pour que son existence soit seulement annoncée. Voilà ce qu'on peut trouver au sujet de Groom Lake. Mais je suppose que maintenant la véritable question c'est, y a-t-il des soucoupes volantes dans le coin ? Nous avons décollé afin d'observer la base par nous-mêmes. Volant à une altitude de 3300 mètres, nous sommes maintenant à moins d'un mille du périmètre interdit. Nous sommes rentrés en contact avec la tour de contrôle et n'avons pas mis longtemps à nous apercevoir que l'espace aérien de la zone 51 était très sérieusement gardé. Nous venons juste d'être frôlés par deux chasseurs F-16. Ils sont passés devant nous à une allure de Mach 1,6 environ. Ces gars ne rigolent pas. Ils ne veulent pas qu'on soit là. D'ailleurs, il y en a un autre qui vient de passer devant nous. Ou ils essaient de nous faire quitter la zone au plus vite, ou ils veulent nous forcer à atterrir. Et en voilà encore un autre. Waouh, il est passé vraiment près, juste à notre droite. Je dirais qu'il était à moins d'un kilomètre 6, 2,4 km. Dis donc, on peut les voir, c'était dingue les gars, ils ont un GPS GCAS à bord et ils ont donc clairement un contact radar avec nous. Il est passé vraiment très près. En 1989, un homme fit la lumière au sujet de Dreamland. Il s'appelait Bob Lazar et il prétendait avoir travaillé au site de Groom Lake sur des engins extraterrestres. La base se trouve contre le flanc d'une montagne, une petite montagne ou une grosse colline. Il y a 9 portes de hangar et ces portes ne sont aucunement des portes métalliques brillant dans le désert. Elles sont peintes ou vaporisées d'une texture sableuse. Et je peux vous l'assurer, c'est afin d'éviter que des satellites ne photographient l'installation, car elles se fondent ainsi dans la montagne. D'après ce que j'ai pu voir, c'était plutôt efficace. La première fois que j'ai conduit dans le secteur, toutes les portes de hangar étaient fermées. Mais à une faible distance, on s'apercevait qu'il s'agissait de portes et qu'elles pouvaient s'ouvrir. Nous avons contourné le flanc gauche de l'installation et là se trouvait l'entrée principale. Nous avons passé plusieurs portes et le contrôle de sécurité, puis nous avons pénétré dans ce qui ressemblait à un bâtiment gouvernemental typique. Mon travail fondamental consistait à reproduire des systèmes d'énergie et de propulsion. Et je décidai de commencer en m'attaquant à l'énergie, c'est-à-dire au réacteur qui faisait fonctionner l'engin. Pour ce qui est de l'autorisation dont j'étais muni, connue comme autorisation Majestic, nous n'étions que 22 personnes à la posséder à S4 et à travailler sur l'appareil. La location ici
L'endroit où il travaillait à la zone 51 s'appelait S4 et se trouvait à Papoose Dry Lake Bay, à quelques minutes de Groom Lake. Lorsque j'y étais amené en bus, nous contournions généralement l'installation jusqu'à son flanc gauche et nous rentrions par la porte qui se trouvait là. Et pour la première fois, l'une des portes du hangar, celle tout au bout, était ouverte. Le bus s'approcha, s'arrêta, et visible comme le nez au milieu de la figure, dans le hangar, occupant presque tout l'espace du hangar, se trouvait la soucoupe. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et on s'est arrêté, on est sorti. Et pour la première fois, on m'a laissé franchir cette porte. Et tandis que je marchais, je pensais, eh bien voilà le nouvel appareil d'avant-garde sur lequel nous avons travaillé. Et voilà pourquoi les gens continuent à voir des soucoupes volantes. Il s'agissait des nôtres et nous les mettions simplement à l'épreuve, probablement durant toutes ces années. Et comme je marchais à côté de l'engin, je posais ma main dessus. Je me dis que c'était du métal parce que c'était froid et donc je pensais qu'il s'agissait d'une espèce de métal. Et de fait, il y avait une ouverture car le panneau d'accès était tiré. Et j'ai vu un petit peu en arrière qu'un drapeau américain y figurait. Alors là, j'ai su catégoriquement que c'était quelque chose qu'on avait fabriqué. On m'a permis à une occasion de rentrer dans l'engin afin de voir la disposition de ces systèmes, afin de vérifier si ceux-ci étaient bien configurés. J'étais bien sûr accompagné à bord de l'engin. Il était à l'évidence conçu pour être piloté par quelque chose de plus petit qu'un être humain normal. On était vraiment à l'étroit là-dedans. Il y avait un niveau inférieur et une partie amovible du plancher se pliait et s'ouvrait, de sorte que je pouvais passer ma tête et le haut de mon torse là-dessous avec une torche électrique, afin de voir comment les amplificateurs de gravité se trouvaient sans dessus-dessous, d'observer la disposition de 3 sièges qui faisaient environ un tiers ou un quart de la taille d'un siège humain normal. À un moment, alors que je me trouvais à bord de l'engin, l'une des arcades devint transparente. Il y avait quelques techniciens en train de travailler sur quelque chose d'autre dont je n'avais pas connaissance. Et tout d'un coup, quelque chose commença à défiler de bas en haut sur les parois. Il aurait donc pu être possible que l'enveloppe de l'engin, lorsque soumise à une influence électrique ou autre, devienne parfois transparente et permette de voir à l'extérieur, ou soit employée comme une sorte d'écran vidéo. C'était vraiment étonnant. Lorsque je suis sorti de l'appareil, ça avait à nouveau l'apparence d'une simple structure métallique. Des tas de gens disent « Eh mon vieux, ça a dû être excitant de rentrer là-dedans » et je réponds toujours que ce n'était pas le cas. C'était une sensation très inquiétante. On avait vraiment l'impression que, parce que c'est tellement, je sais que ça peut avoir l'air bête, mais ça n'avait rien d'humain là-dedans. Il n'y avait aucune arête vive, c'était comme si tout avait été fait en cire, puis un peu chauffé et ensuite refroidi. Toutes les choses possédaient des courbes lisses, même les sièges avaient l'air de fusionner avec le sol. On aurait dit que tout l'engin avait été moulé par injection. Personne, y compris Bob Lazar, ne fut à même d'établir aucun de ses antécédents universitaires ou professionnels. En 1990, il fut condamné comme entremetteur et déclaré en faillite. Au tribunal, il décrivit simplement son activité comme celle d'un technicien photo établi à son compte. Lazar est-il un imposteur ? Travaillait-il à S4 ? Ou fut-il employé par les militaires afin de faire circuler certaines informations sur la base ? L'idée qu'il serait un grand allumé et dans le même temps le parfait scientifique pour bosser sur un tel projet relève de la science-fiction. Primo, il n'y a aucune raison d'affirmer qu'il est un scientifique. Pas de diplôme, pas de papier, pas d'appartenance, rien. Secondo, j'ai travaillé 14 années durant dans la sécurité. Et je peux vous dire que des services confidentiels prennent la sécurité bien plus au sérieux que ça. L'une des choses étranges qu'il affirme, c'est que seulement 22 personnes travaillaient là-dessus. Allez, il y a plus de gens que ça pour travailler sur une nouvelle souricière gouvernementale. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas de sens. Vous savez, il y a tous les ingrédients d'un récit rocambolesque, de quelqu'un qui, dans sa tête, se croit plus fort, plus brillant et plus rapide que tous les autres.
J'ai fait un tas de recherches au sujet de Bob Lazar. Je l'ai réellement rencontré. J'ai obtenu une copie de son formulaire, dit W2, l'un des documents IRS liés au salaire. Son formulaire spécifique indiquait qu'il travaillait pour le service américain du renseignement maritime. Mon enquête sur ce document et sur les affirmations que fit Bob Lazar forme le résultat de recherches très strictes et très rigoureuses. Je contactais le département américain du renseignement maritime et vérifiais qu'en effet, ils étaient certainement responsables de l'émission de ce formulaire W2. J'examinais la question auprès du service des recettes fiscales. Voici ce qu'ils m'ont dit. Leurs mots exacts furent « ça a l'air vrai ». Ils me dirent qu'il s'agissait d'un document authentique, pas de quelque chose de contrefait. Il y avait un tas de nombres de numéros de contrat et autres figurant sur le document. Et lorsque je fis des recherches sur ces derniers, il s'avéra qu'il s'agissait de numéros recensés hautement confidentiels. D'ailleurs, le service des recettes fiscales se heurta à un mur lorsqu'il tenta de retrouver le véritable employeur associé au document. Il m'a donné des informations sur ses antécédents, sur son éducation et sur son passé professionnel. J'ai commencé par les laboratoires de Los Alamos, où il disait avoir travaillé. Je me disais, eh bien, voilà un bon point de départ s'il a travaillé à Los Alamos, c'est qu'il a reçu une formation quelque part, car il n'embauche pas le premier type qui passe. Et s'il a travaillé à Los Alamos, surtout sur des projets secrets, il est au moins raisonnable de supposer qu'il ait pu être embauché ailleurs au Nevada pour y travailler sur des projets similaires. Nous sommes allés à Los Alamos et personne là-bas n'a voulu coopérer. Il ne répondait pas à nos appels téléphoniques. Il disait « Nous n'avons pas d'informations sur Bob Lazar. Il n'y a rien dans les dossiers. » Je leur demandais « En êtes-vous vraiment sûr ?»« Oui, il n'y a rien dans les dossiers. » Je leur ai montré l'inscription dans l'annuaire que Bob Lazar avait gardée et qui prouvait qu'il avait bossé là. Je leur ai montré l'article de journal qui prouvait qu'il avait été là. « Êtes-vous certain de ne pas avoir un Bob Lazar ?» Eh bien, peut-être avons-nous eu un Bob Lazar, voici un numéro d'identité, mais il ne travaillait pas pour nous, il travaillait pour quelqu'un d'autre. Fondamentalement, les laboratoires de Los Alamos ont tout fait, à chaque étape, pour me contrer dans ma démarche. Ils ne firent rien pour m'aider dans ma recherche d'informations sur Bob. Et je m'aperçus que c'était chaque fois la même chose, à chaque étape de mes tentatives pour vérifier son passé. Je suis celui qui ne pouvait fournir aucun papier officiel sur moi-même, et je l'ai fait savoir. Je n'arrivais pas à me procurer mon extrait de naissance, et c'était l'une des choses qui m'inquiétait, qu'il puisse tenter de faire de moi quelqu'un qui n'existe pas. Je crois qu'il est très probable que Bob Lazar ait en effet été choisi pour servir de relais à certaines informations relatives à ce projet extraterrestre. Un jour, Bob Lazar vit une soucoupe volante effectuant un vol d'essai dans le désert. Je fus emmené dans le hangar durant l'un des essais de courte durée. Et l'engin se trouvait déjà à l'extérieur, à l'emplacement du lac. Il décolla silencieusement et se dirigea de ci de là durant quelque temps, puis se reposa au sol. Et cette chose immense était vraiment une merveilleuse vision. C'était comme voir une maison quitter tranquillement le sol. Vous ne pouvez imaginer l'énergie requise pour y parvenir, et sans aucun bruit du tout. Il y avait une sorte de communication audio avec l'engin, et donc je ne peux qu'en déduire que des humains se trouvaient à bord, et que d'une manière ou d'une autre, ils avaient réussi à s'installer dans ces petits sièges. À l'évidence, ils savaient comment manœuvrer les commandes qui s'y trouvaient, ou avaient inventé les leurs, ou les avaient améliorées avec quelque chose. Les missions spatiales Apollo des années 60 provoquèrent un engouement des États-Unis pour la conquête de l'espace. Mais tandis que les meilleurs astronautes du pays s'élançaient dans les cieux à bord de fusées conventionnelles, le président était-il au courant de l'existence de soucoupes et de systèmes de propulsion qui étaient littéralement d'un autre monde? Le docteur Edgar Mitchell, membre de la mission Apollo 14 et le sixième homme à avoir marché sur la Lune, fit des recherches approfondies sur les prétendus crashs d'OVNI ainsi que sur le problème des contacts extraterrestres. Il a rencontré Lazar en 1991.
Je tends à croire que son histoire est authentique à la base, qu'il a vu ce qu'il pensa être un engin extraterrestre et assista à des tentatives de fabrication et de reproduction de celui-ci. Je pense en revanche que son explication de ce qui se passe et la théorie qu'il met en valeur sont erronées. Ce qui, à mon avis, est crédible, c'est le fait qu'il se trouvait là-bas. De même qu'il est vraisemblable que depuis l'incident de Roswell en 1947, il y ait eu une dissimulation, qu'il se soit agi d'un véritable incident, qu'un programme d'enquête intensif, qu'un programme technique et une dissimulation soient associés à tout cela depuis cette époque. Après avoir travaillé à S4 durant plusieurs mois et en claire violation de ses obligations top secrètes, Bob Lazar décide de parler à son meilleur ami Jen Huff de son travail à la base. Ma réaction fut, sans le presser contre sa volonté, de lui demander qu'il m'en dise le plus possible. Ce n'était pas de l'incrédulité, je voulais vraiment avoir plus d'éléments. Je me suis mis à m'intéresser aux livres sur les ovnis, à considérer les informations d'autres chercheurs pour savoir si quelqu'un d'autre savait quelque chose. Et inutile de le préciser, aucun d'eux ne savait ce que savait Bob. Un mois plus tard, en mars 1989, Bob Lazar va plus loin et décide d'emmener ses amis dans le désert pour les faire assister à un test de soucoupe volante. Je me souvenais de la plupart des jours et des heures durant lesquels se produisaient les essais. Je crois me souvenir que c'était un mercredi soir, vers 8 ou 9 heures, en mars 89, il me semble, que nous sommes partis, Jean Huff, mon ex-femme, John Lear et moi. Peu après les horaires de vol habituels, une lumière blanche apparut au-dessus du sol, demeurant sur place, puis se mit à effectuer une série de manœuvres bien distinctes, passant d'une partie du ciel à l'autre, réalisant d'impossibles manœuvres aériennes. Et à un moment, l'engin s'est mis à luire de manière incroyablement forte, et nous avons cru, nous qui nous tenions à des kilomètres et des kilomètres de là, que quelque chose allait mal et que l'appareil allait exploser, à tel point que nous sommes tous allés nous réfugier derrière la voiture. Il s'est vraiment rapproché de nous. Il est descendu de la chaîne montagneuse, s'est dirigé vers nous et nous pûmes voir qu'il était en forme d'ellipse. Il ressemblait à quelque chose qui, c'est étrange à dire, ça ressemblait à une explosion qui commence à se produire et qui s'arrête et se dissipe. La lumière est tellement vive que votre cerveau l'interprète comme une explosion sur le point de se produire. Lors de sa troisième visite nocturne pour observer les soucoupes volantes en compagnie de ses amis, Bob Lazar fut arrêté. Il fut emmené à un endroit inconnu pour y être interrogé et il ne retourna jamais à la zone 51. Ils menacèrent ma femme. Ils menacèrent de tuer ma femme. Ils dirent que rien ne les arrêterait. Ils dirent qu'ils pensaient avoir été très clairs. Ils ne pouvaient croire que j'avais emmené des gens avec moi pour leur montrer un vol d'essai. Et moins encore que je leur avais confié des informations relatives à ces mêmes vols. Et ils voulaient savoir ce que j'avais dit d'autre et à qui je l'avais dit. Des agents de sécurité de l'OFI, le Bureau d'enquête fédérale, furent aperçus en train d'effectuer des contrôles de sécurité inopinés dans sa maison. Il n'y a aucun doute pour les proches de Bob qu'il avait été placé sur écoute téléphonique. Je veux dire que des choses étranges se produisaient sur la ligne de Bob et qu'elles continuent encore aujourd'hui. Denis Mariani, qui était mon directeur, me passa un coup de fil. Et tout ce qu'il m'a dit, ce fut « As-tu une quelconque idée de ce qu'on va te faire maintenant ?» Ils étaient furieux. Vraiment furieux. Ils avaient perdu tout self-control. Lorsque vous allez travailler dans ces endroits, vous perdez tous vos droits constitutionnels. Vous signez un document disant que si vous violez votre contrat de sécurité et parlez des projets sur lesquels vous travaillez, alors sans aucun procès, sans aucune possibilité de faire appel, vous allez vous retrouver pour 20 ans dans un pénitencier fédéral. On fait vraiment tout pour que vous gardiez le silence. Nous avons eu un ingénieur qui a travaillé pour cette chaîne de télévision et qui, avant d'être ici, avait travaillé à la zone 51 et avait vu l'un de ses engins sous une bâche, s'aventurant dans un endroit où il n'aurait sans doute pas dû être. Je me suis arrangé pour l'interviewer. Il vit dans une autre ville, d'un autre état. Il accepta à contre-cœur du moment que sa tête ne soit pas visible. L'entretien était censé se dérouler le jour suivant. Ce jour-là, il s'est levé et parti travailler. Deux hommes l'attendaient dehors dans une voiture, parlant sur une radio.
Ils l'ont suivi jusqu'à son travail. Et lorsqu'il en est sorti, ils l'ont suivi jusqu'à chez lui sans lui poser la moindre question. Et ce scénario s'est reproduit jour après jour. Ça m'a été très difficile d'en parler. Il me semble qu'à chaque fois que je raconte l'histoire, ça va un peu mieux. Mais la première fois que j'en ai parlé, c'était comme si ma bouche ne voulait pas former les mots, comme si les sons ne voulaient pas sortir de ma gorge. Tout ce que je peux déduire de ça, c'est qu'on m'a fait un lavage de cerveau pour ne pas en parler, pour ne pas m'en souvenir. Et si je m'en souvenais, pour ne jamais en parler à personne. Cet homme est un ingénieur mécanicien de 71 ans qui, comme Bob Lazar, affirme avoir travaillé à la zone 51. Il commence à travailler dans les années 50 sur un simulateur de soucoupe volante conçu pour l'entraînement des pilotes américains. Il affirme avoir reçu la permission de nous parler de certains aspects de son travail, mais nous a demandé de ne pas révéler son identité. Nous avons récupéré une soucoupe extraterrestre. Celle en particulier sur laquelle je devais travailler provenait du crash de Kingman et fut par la suite transférée au terrain d'essai du Nevada, dont je n'avais pas connaissance à l'époque. A-t-on retrouvé des cadavres d'extraterrestres ? Pas des cadavres. Quatre extraterrestres, vivants et en bonne santé. Quatre extraterrestres bien vivants. Quatre spécimens d'extraterrestres, vivants et en bonne santé. Absolument. Et où furent emmenés ces quatre extraterrestres ? Au départ, ils furent transférés au Nouveau-Mexique. Et quelques mois plus tard, emmenés au site du Nevada. L'une des choses sur lesquelles je travaillais était un simulateur de soucoupe volante, destiné à entraîner des pilotes à manœuvrer cet appareil d'apparence étrange. Il devait faire voler des hommes et pas des extraterrestres. Le plus incroyable, c'est qu'il affirme avoir travaillé à la zone 51 sur ce projet de simulateur en compagnie d'un extraterrestre, dont le nom de code était Jarod, et ce, pendant 16 ans. Jarod est un extraterrestre gris d'environ 1,50 m. Sa seule fonction est celle de traducteur scientifique. C'est tout. Si nous voulions remplacer quelque chose à eux par quelque chose à nous, ils devaient être d'accord. Si j'avais une question, voyez-vous, et que je me demandais comment la lui poser, il savait déjà que je l'avais en tête et possédait déjà la réponse. Et lorsqu'il répondait, c'était avec ma propre voix, sans que j'aie même à ouvrir les lèvres. Il est possible que lui et quelques milliers d'autres travaillent sur le projet, ici ou ailleurs. Quelques milliers d'autres gris. Quelques milliers d'autres gris, semblables à lui. La ville la plus proche de la zone 51 est Rachel, où n'habitent que 150 personnes et où se trouve le bar-grill le plus célèbre du Nevada, le Little Hell Inn. Les habitants ont vu leur halte pour routier devenir le centre ovni et extraterrestre de toute l'Amérique. Les touristes se précipitent à Rachel pour scruter les cieux dans l'espoir de voir une apparition. Malgré tout le tapage, les apparitions d'étranges lumières dans le ciel se poursuivent. Chuck Clark, qui habite ici, a observé de nombreux phénomènes inexplicables. L'observation la plus remarquable que j'ai faite au cours des trois dernières années s'est produite il y a deux ans, en février 93. J'ai vu un objet brillant monter à la verticale depuis le côté sud de la zone 51, là où se trouverait le S4. Et demeurer suspendu dans le ciel, immobile, durant une dizaine de minutes, puis se mettre à redescendre lentement. Tout cela s'est passé alors que je pensais voir une fusée éclairante tirée par un mortier. Je peux entendre des jets en bruit de fond. Je vais faire un petit zoom arrière. Ça se trouve juste au-dessus du ranch de Steve Medlin, juste ici, sur la route 375. C'est juste au-dessus des cimes. Puis il descendit vers la ligne des crêtes. Il se trouvait face à la colline d'où il avait surgi. Cette colline était environ à 20 km de l'endroit où je me trouvais. L'OVNI s'approcha à quelques mètres du sol, à la base de la colline, stationna momentanément, ce qui pourrait coller avec le comportement d'une fusée éclairante partant calme,
Mais soudain, il s'est mis à partir en flèche vers l'ouest. Franchi plusieurs kilomètres en une seconde, ou une seconde et demie, puis s'arrêta net à environ 9 mètres du sol. Stationna juste assez longtemps pour me permettre de régler mes jumelles, durant peut-être 2 secondes, puis il disparut d'un coup. J'ai vu la vidéo d'un appareil qui était lumineux, qui pouvait se déplacer dans le ciel comme une pierre ricochant à la surface de l'eau, ou qui évoquait le fonctionnement d'une machine à coudre. Ce que j'ai pu voir sur les écrans, c'était des séries de lumière ou traits de lumière, tandis que l'objet se déplaçait d'un point à un autre. Il y a eu une distorsion plutôt étrange qu'il est très difficile d'analyser à moins de suivre image par image pour voir ce qui s'est vraiment produit. De cette façon, il est possible d'observer ce qu'on pourrait appeler l'effet de trace du système de propulsion mis en œuvre. J'ai parlé à plusieurs personnes qui avaient vu des ovnis ou des engins en forme de soucoupe sur le site. Un procureur qui habite en ville en a vu une. Il l'a vit atterrir à l'extérieur des limites de la zone 51. J'ai discuté avec un cadre de très haut niveau qui travaillait pour des gens sous contrat avec la Défense, ici, depuis un certain nombre d'années. Il est issu d'une famille très respectable et de très bonne réputation. Ses références sont au-dessus de tout soupçon. Mais il ne veut pas que son visage ou son nom apparaissent. Il en a vu à plusieurs reprises. Il y avait une certaine diversité d'engins, mais qui ressemblaient tous, en général, à des espèces de boîtes en fer blanc. Je sais qu'on dirait qu'ils étaient surtout en forme de disque, ou circulaire, comme une lanterne chinoise. Ils apparaissent multicolores avec des lumières qui semblent capables d'absorber la clarté de l'arrière-plan, se fondre en elles. Ils peuvent en quelque sorte se camoufler dans le ciel en absorbant la lumière bleue du ciel et celle des nuages. Que sont ces lumières dans le ciel? S'agit-il vraiment de soucoupes volantes? Nous avons demandé au physicien de la marine américaine et expert en OVNI, le Dr Bruce McAbee, d'analyser la vidéo. À première vue, ce qu'on observe, ce sont des lumières, des objets lumineux effectuant des mouvements à une certaine distance. On ne voit pas vraiment d'appareil structuré. Une partie du document vidéo, une très petite partie de ce que j'ai vu, semble présenter des lumières faisant d'étranges choses, comme faire du surplace, aller rapidement à un autre endroit, se déplacer lentement puis sautiller un petit peu. J'en ai conclu que ce ne sont pas des engins fabriqués par l'homme. Peut-être appartiennent-ils à d'autres êtres. Clairement, ils ne sont pas fabriqués sur Terre et doivent donc venir d'ailleurs. Comment ils sont venus ici, à qui, entre guillemets, ils appartiennent, je ne le sais pas. L'hypothèse extraterrestre est parfaitement recevable. Tous les arguments qui sont avancés et qui disent qu'il ne peut s'agir d'êtres venant d'un autre système solaire, d'une autre galaxie, parce qu'ils ne pourraient pas se déplacer jusqu'ici, ces arguments ne tiennent pas matériellement. En effet, nous pourrions nous donner les moyens, en temps et en argent, ainsi que le désir nécessaire, pour effectuer des voyages dans d'autres univers. Ainsi, il est certain que ces autres intelligences, quelles qu'elles soient, nous dépassent de loin en termes de technologie. Il revient. Il fait une boucle. Il fait une boucle. Ce que je vais maintenant vous montrer, c'est une version améliorée par l'ordinateur de ce que vous venez de voir. Et nous allons examiner l'un des endroits où apparaît l'OVNI, dans le coin à gauche, allant à droite, puis revenant. C'est tout ce que nous verrons. Nous le verrons refaire cela encore et encore. Cette partie de l'image est extraite de l'image dans son ensemble et je la laisse simplement s'afficher. Et cela va et vient, sans cesse, cela se répète. Or, si nous faisons un arrêt sur image, voici l'ombre et voici l'OVNI. Et donc, nous avons à la base un triangle avec un côté et 2 angles. Et du coup, je peux calculer la position de l'OVNI en 3 dimensions. Il est situé à environ 2100 mètres de la caméra. Et donc, Bruce, à la suite de cet examen, ce que nous avons là est un véritable OVNI. Oui, il y a un objet à 2100 mètres de là, un objet qui n'est pas humain, d'une taille de 9 mètres, un véritable OVNI. La sécurité de la zone 51 est exceptionnelle. Tout le périmètre est surveillé par des caméras et des détecteurs de mouvement.
Des patrouilles de gardes armés à bord de jeeps et d'hélicoptères de combat sont déployées afin de décourager quiconque s'approche des limites du terrain. Nous nous sommes aventurés au fin fond du désert à 130 km de Las Vegas. Parcourant la route récemment rebaptisée route extraterrestre, nous sommes partis observer par nous-mêmes la base la plus secrète de tous les États-Unis. L'unique voie d'accès menant à la base est une piste poussiéreuse de 16 km répondant au nom de Groom Lake Road. Toute personne s'approchant des abords peut aisément être repérée à des kilomètres. Et comme on nous l'a dit, tous nos déplacements furent enregistrés par les patrouilles et les caméras au sommet des collines. Voilà jusqu'où vous pouvez approcher de la base de Groom Lake. Ces panneaux disent en effet que l'emploi de la force mortelle est autorisé. Il y a des patrouilles de sécurité partout sur les collines. Elles nous ont observés pendant l'heure qui vient de s'écouler. Il y a des détecteurs de mouvement, des caméras de sécurité, et si je franchis cette ligne, je serai immédiatement arrêté, emmené au poste de garde, et j'y subirai un interrogatoire pouvant durer jusqu'à une semaine. Dès que vous franchissez la ligne au-delà de ce panneau, vous perdez tous vos droits. Ce qui m'étonne, Glenn, c'est que l'entrée ici soit si modeste. Il y a ce panneau délabré disant « usage de la force mortelle autorisée », mais on peut vraiment, si on ne sait pas ce qu'on fait, pénétrer directement dans la base. C'est ça l'idée. Vous ne rencontrerez personne ici, mais si vous entrez dans le poste de garde qui se trouve là-bas, à un kilomètre et quelques, vous serez immédiatement arrêté pour avoir dépassé ces panneaux. Ils ne veulent pas avoir à répondre aux questions. Alors ils ne mettent aucun vigile. Personne. Et lorsqu'on arrive par la route là-haut, la route extraterrestre, il n'y a pas de panneau indiquant Groom Lake, il n'y a rien? Non, il m'est arrivé d'accrocher un panneau disant « base secrète » ou « base secrète dans cette direction », mais il ne restait jamais très longtemps. Et que ce soit à pied ou en voiture, vous ne pouvez vous approcher davantage de Groom Lake. Nous sommes ici aussi près qu'on puisse matériellement aller. Malheureusement, d'ici, on ne voit absolument rien. À quelle distance effective sommes-nous de la base? Nous nous trouvons à l'instant même à 20 km au nord, nord-est de la base. Et si nous continuons sur cette route, si nous poursuivons notre chemin vers la base au-delà de ces panneaux, nous serons arrêtés. Vous serez intercepté si vous faites 6 mètres de plus. Comme la nuit tombe et que nous sommes bien décidés à observer les équipements secrets, nous nous sommes dirigés vers le pic de Tikaboo qui surplombe la base à plus de 2000 mètres au-dessus du désert. À notre campement, j'ai parlé avec Glenn Campbell, fondateur du centre de recherche de Rachel sur la zone 51. Il a quitté une brillante carrière dans l'informatique pour consacrer sa vie à découvrir la vérité sur Dreamland. C'est une très grande installation, aussi grande que l'État du Connecticut. Il y a un tas de zones inconnues, inexplorées, où vous pourriez stocker tout ce que vous voulez. La zone 51 est simplement la plus connue des bases secrètes, un vaste complexe pouvant abriter des tas de choses différentes dont nous ne savons rien. Mais en fait, il n'y a pas de clôture ici. Et pourtant, lorsque vous franchissez cette ligne, ils le savent. C'est simplement marqué par des poteaux oranges, espacés de quelques dizaines de centimètres les uns des autres. Il est facile de franchir cette ligne, mais dès que vous le faites, ils le détectent et partent à vos trousses. Il s'agit d'une frontière militaire très sérieuse, pas d'un endroit pour touristes. Les militaires n'ont jamais dit « il n'y a pas d'OVNI ». Ils n'ont jamais franchement nié aucune des histoires qui circulent au sujet de la zone 51. Ça aurait été si simple, lorsque ces histoires de Papoose Lake sont apparues, si simple pour les militaires de dire tout simplement « regardez, nous n'avons rien ici ». Ils auraient pu accueillir quelques journalistes dans la zone et leur montrer « rien ici ». Les militaires n'ont pas choisi cette solution. Ils ont fait de l'obstruction. Ils sont restés muets. Et c'était la pire des choses à faire. À 3h du matin, nous entamons notre ascension finale vers Tikaboo. Il nous faut atteindre le sommet avant le point du jour, afin de voir la base éclairée pour ses vols d'essai nocturnes. Même la nuit, le vrombissement des jets rompt le silence du désert. Alors que nous atteignons le sommet, au sein de l'obscurité, nous apercevons clairement la zone 51. Nous voyons briller au loin les feux de la piste d'atterrissage. Après une randonnée de plusieurs heures, nous avons finalement établi notre campement ici, à quelques 2000 mètres d'altitude. Et depuis l'aube, nous observons des avions inexistants transportant du personnel inexistant sur cette base inexistante. Le pic de Tikaboo est la dernière position avantageuse et sûre d'où l'on puisse clairement observer Dreamland. Mais combien de temps encore avant qu'il ne soit lui aussi annexé par les militaires ?
Le mystère de Groom Lake continue. Nous avons suivi hors de la base secrète les avions qui transportent le personnel et ils ont atterri ici, à l'aéroport McCarran, juste à la sortie de Las Vegas. Il y a apparemment un peu plus d'une douzaine de vols qui, chaque jour, amènent et ramènent le personnel de la base la plus secrète de toute l'Amérique. Je pouvais être appelé n'importe quand. La personne au bout du fil pouvait me dire « Monsieur Lazar, il est 4h15 du matin, nous souhaitons que vous soyez à l'aéroport de McCarran pour 5h moins le quart. » L'avion décollait à telle ou telle heure, alors je me rendais là-bas, je me faisais enregistrer, je montais à bord et l'avion décollait pour Groom Lake. Alors que les employés de Groom Lake se dirigeaient vers leur voiture, nous avons tenté de pénétrer dans l'aérogare. Arrêtez-vous immédiatement. Pourriez-vous m'indiquer quelqu'un de la base qui pourrait me fournir des renseignements? Ok, voilà ce que je vais vous dire. Vous violez une propriété privée. Vous violez une propriété privée. Vous êtes de notre côté de la porte. Et je vous conseille maintenant de quitter les lieux immédiatement. Est-ce la propriété du gouvernement? Faites ce qu'on vous dit. C'est une propriété privée, vous la violez. Veuillez quitter les lieux. Est-ce la propriété du gouvernement ou est-ce juste privé? Pas de commentaires. Vous violez la loi. Ok. Qui essayez-vous d'embrouiller, mon gars? J'essaie juste de trouver... Vous me racontez des foutaises, tirez-vous. Vous pourriez nous orienter vers quelqu'un pouvant nous donner des éclaircissements. Au revoir. Tandis que nous sommes expulsés de l'aéroport, un autre vol Jeannette décolle en direction de Groom Lake. Nos recherches nous ont appris qu'une société privée travaillait avec les militaires américains de la zone 51. Nous pensons qu'il s'agit de la société Projets Spéciaux EGEG. Elle travaille depuis les 50 dernières années sur des projets confidentiels et top secrets en collaboration avec le gouvernement américain et l'on dit qu'elle est propriétaire des vols Jeannette qui emmènent les employés à la base et que c'est d'elle que proviennent l'appui technique et les dispositifs de sécurité nécessaires à la duplication d'engins extraterrestres. Je ne travaillais pas directement pour EGEG. J'ai simplement eu un entretien dans un de leurs locaux à l'aéroport McCarran. Peu de temps après, on me rappela pour ce nouveau travail à S4 et l'on m'expliqua que cela avait trait à une sorte de système de propulsion par induction. Et j'ai supposé qu'il s'agissait de travailler sur un genre d'avion d'avant-garde. Vraiment, j'étais enthousiasmé par cette situation. Vous devez quitter cette propriété privée, alors je vous prie de cesser de filmer et de partir, s'il vous plaît. Avez-vous un rapport quelconque avec la base de Groom Lake? Je vous demande simplement de quitter cette propriété. Cette société a-t-elle un rapport avec les avions qui décollent de McCarran? Le GEG a été la principale société civile sous contrat avec Groom Lake, pratiquement dès le début. Ce sont des gens qui, comment dire, les militaires vont et viennent, d'autres sociétés sous contrat passent et s'en vont, mais le GEG est sous contrat depuis le tout début. Et donc si quelqu'un sait ce qui se passe, c'est le GEG. Mais ils ne disent rien. Nous avons téléphoné à l'EGEG pour essayer de clarifier leur rôle vis-à-vis de la base. Mais ils se sont contentés de confirmer que la société travaillait sur divers contrats confidentiels pour le ministère de la Défense en divers endroits reculés du Nevada. Ils refusent de s'étendre sur la nature exacte de leur travail, mais affirment que c'est en rapport avec la PEM, la propulsion électromagnétique. Si des engins extraterrestres ont été retrouvés et ensevelis profondément sous le désert du Nevada, alors, le pouvoir de divulguer au public une telle information réside quelque part dans les couloirs de Washington. Comme me l'a dit une personne du renseignement, le problème n'est pas d'obtenir l'information, mais de diffuser la vérité. Observe-t-on des engins extraterrestres au-dessus de Groom Lake, ou s'agit-il d'appareils fabriqués par l'homme ? L'armée américaine aurait-elle développé une technologie permettant de construire des soucoupes volantes? Il y a beaucoup de choses qui tiennent debout dans ce phénomène OVNI, dans cette histoire d'intelligence extraterrestre. Il y a là quelque chose qui n'a rien de nouveau pour les militaires américains. Il existe des programmes sur lesquels ils travaillent actuellement qui sont en avance de 50 ans sur tout ce que vous et moi pourrions concevoir. Les équipes du projet Noir œuvrent sans être surveillées par des commissions officielles. Ou par le Congrès, si vous préférez.
Je trouve cela extrêmement angoissant, effrayant. C'est le pire scénario à la Big Brother qui soit. Tout est dirigé par les extraterrestres. Ils nous dépassent à un tel point en termes de technologie que je ne crois pas que nous ayons une seule chance. Je crois que nous n'avons pas encore levé un seul coin du voile au sujet de ce qui se passe ici en matière de soucoupe volante. Il existe un certain nombre d'activités, certaines confidentielles, se déroulant dans ce qu'on appelle souvent le complexe de la zone d'essai de l'Air Force de Nellis. Cette zone d'essai est employée afin de tester divers systèmes et technologies, et pour la mise au point d'opérations indispensables à l'efficacité des forces militaires américaines et à la sécurité des États-Unis. Il y a un lieu de manœuvre près de Groom Dry Lake. Certaines activités et opérations spéciales réalisées sur la zone d'essai de Nellis, à la fois présentes et passées, demeurent confidentielles et ne peuvent être commentées. Je ne travaillais pas pour le gouvernement des États-Unis. Je travaillais pour un gouvernement satellite de ce pays. Pour ce qui est du Sénat, le seul qui s'intéressait à tout cela était Bob Dole. En ce qui concerne les présidents, les seuls que j'ai rencontrés dans les installations depuis les années 50 et 60 furent Nixon et Bush. Nous avons contacté l'ex-président Bush pour lui demander ce qu'il savait sur les engins extraterrestres retrouvés et sur les recherches menées dans la zone 51. Nous avons reçu une réponse par fax. Malheureusement, nous ne pouvons fournir une réponse aux questions que vous nous avez envoyées. La politique de longue date du président Bush est de ne pas commenter, de ne pas s'adonner à des spéculations portant sur de soi-disant programmes confidentiels de tel ou tel type. Un confident proche de George Bush, ainsi qu'un homme bien au fait de la zone 51, est l'amiral Bob Inman. Ses références sont impeccables. Il fut à la fois directeur du renseignement maritime et de l'Agence de la sécurité nationale, ainsi que directeur adjoint de l'Agence de renseignement de la défense et de la CIA. En 1989, lors d'une conversation téléphonique avec Bob Oexler, il fit allusion à des engins récupérés devenant disponibles pour la recherche. Envisagez-vous que certains des engins récupérés puissent jamais profiter à la recherche technologique, en dehors des cercles militaires? Là encore, sincèrement, je ne sais pas. Il y a environ 10 ans, la réponse aurait été non. Le climat et l'époque ne sont plus les mêmes, et ils commencent à être plus ouverts à cette idée. Il y a une possibilité. Ils savaient, d'un point de vue officiel, que ces engins, ces objets existaient, qu'ils étaient détenus par les militaires américains et qu'il existait des projets scientifiques en rapport avec ceux-ci. Je crois qu'il s'agit de la première révélation faite par quelqu'un d'aussi haut placé dans le gouvernement américain, tout spécialement au sein du renseignement, qui de fait reconnaît que nous sommes réellement impliqués, que les ovnis sont réels, qu'ils furent mis au point par une intelligence non humaine et que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes rentrés en possession de cette technologie. Inman ne révèle pas grand-chose. Il n'y a pas de référence, pas de mention d'OVNI, d'engins spatiaux, rien de ce genre. La conversation est centrée sur des engins récupérés, de la technologie et ainsi de suite. Mais l'amiral Inman était au courant du sujet et nous savons par son directeur adjoint, Tom King, qu'il n'était pas question de discuter publiquement de ces sujets, des sujets dont s'entretenaient Oexler et Inman en raison des lois sur le secret national. Il a demandé que vous ne le citiez pas et que vous ne mentionniez en aucun cas son nom sans qu'il ait d'abord donné son assentiment. En 1982, Inman quitta l'administration gouvernementale pour devenir président de la Compagnie internationale d'applications scientifiques de San Diego. Chose intéressante, l'un des principaux secteurs de recherche de la compagnie touche au système de propulsion antigravitationnelle, la même méthode de propulsion employée pour les soucoupes volantes sur lesquelles travailla Bob Lazar à la zone 51.
Le Jane's Defense Weekly, un périodique de vulgarisation sur les questions militaires ou liées à la défense, publia un article au sujet de cette compagnie. Il y a un post-scriptum à cet article qui dit que toute personne croyant que la science de l'antigravité est trop hermétique, trop ésotérique, même pour l'US Air Force, devrait prendre en compte les études sur la propulsion électrique entreprises par la Compagnie internationale d'applications scientifiques pour le laboratoire Philips. Le premier objectif de cette étude était d'ébaucher des moyens matériels permettant de vérifier des théories portant sur le couplage par induction de forces électromagnétiques et gravitationnelles pour déterminer si elles pouvaient ou non s'appliquer à la propulsion aérospatiale. En termes plus simples, ils s'intéressaient à un système de propulsion antigravitationnelle. Certains considèrent cela comme l'ultime saut quantique. Eh bien, c'est possible. Un, parce que j'ai vu le dispositif permettant d'y parvenir. Et deux, parce que c'est une théorie tout à fait applicable. La gravité déforme le temps. Et comme je le dis, ça n'est pas de la théorie. Nous savons que c'est vrai, et si vous l'employez pour infléchir espace et temps, lorsque vous vous retrouverez à votre point de départ, vous y serez entre les tic-tac d'une horloge. Nous avons appelé l'amiral Inman afin de découvrir ce qu'il sait au sujet de la zone 51 et pourquoi sa compagnie travaille sur ce système de propulsion reposant sur l'antigravité. Allons droit au sujet qui vous intéresse. J'ai eu l'occasion, à divers postes que j'ai occupés, de poser la question : y a-t-il des preuves convaincantes ? Quand j'étais vice-directeur de l'Agence de renseignement de la Défense, que j'étais à l'Agence de la sécurité nationale, que j'étais à la CIA, j'ai eu plusieurs fois l'occasion, en chacun de ces endroits, d'aller demander « Possédez-vous des preuves convaincantes de l'existence d'ovnis ou d'extraterrestres ?» Et la réponse fut toujours « Non ». L'article paru dans le périodique Jane's mentionne la Compagnie internationale d'applications scientifiques et affirme que certaines des choses sur lesquelles elle travaille relèvent de l'ultime saut quantique. S'agit-il de systèmes de propulsion basés sur la gravité et pouvant nous paraître inédits ? Que sont-ils exactement et sont-ils vraiment employés pour propulser des engins volants ? Je réfléchis parce que je veux être sûr de ne pas exagérer les faits. Nous sommes là sur un terrain un tant soit peu délicat. Depuis des années, je pense que certaines des premières allégations au sujet d'activités dans le Nevada il y a 15 ans pourraient très bien provenir des vols d'essai de prototypes de certains avions furtifs. Pour certains phénomènes, il y en a qui sont tout à fait scientifiques. Il y en a qui seront quelque chose d'aussi simple que des ballons météo partant à la dérive, qui se sont perdus et errent ça et là. Mais il y a probablement des faits directement liés aux expériences de la fin de ce siècle, relatives à ce que sera la technologie militaire à l'aube du XXIe siècle, en matière d'avions de reconnaissance, comme en celle d'avions de combat. Voici la base Air Force de Nellis, l'une des premières installations militaires d'Amérique. Elle est divisée en quatre zones principales. Les zones d'essai de Tonopah et du Nevada, où ont lieu les essais nucléaires américains top secret, ainsi que la zone de bombardement de Nellis, où les derniers jets et bombardiers sont mis à l'épreuve. Elle abrite également la zone 51. Et donc, s'il y a des soucoupes volantes effectuant des vols d'essai au-dessus du désert, alors le personnel de Nellis est parfaitement au courant. Nous avons été contactés par une ancienne opératrice radar de Nellis. Elle a confirmé avoir été témoin d'un test confidentiel de soucoupe volante dans la zone d'essai. Elle a quitté l'Air Force en 1985 et elle est trop effrayée pour révéler sa véritable identité. Le test de la soucoupe volante a eu lieu une nuit à quelques kilomètres de la base. Je me trouvais à ce moment-là sur la plateforme du camion radar. C'était la nuit et je regardais le ciel parce qu'il y avait des soucoupes volantes. La plus proche de moi, je pouvais l'observer à peu près dans le détail. J'étais avec un groupe de personnes et je n'en connaissais aucune. Et aucune d'elles ne semblait connaître les autres, de sorte que c'était comme si nous étions tous très isolés. Personne ne parlait à personne. C'était très effrayant
parce que ce que je regardais était clairement quelque chose de très, très confidentiel. Et il y avait deux personnes qui parlaient dans un camion radar. Je pensais qu'il s'agissait d'officiers, bien qu'aucun d'eux n'ait d'un signe de grade ou d'un signe nominatif. Les manœuvres qu'elles exécutaient étaient très sophistiquées et je pensais qu'elles étaient pilotées par des extraterrestres, sachant exactement quelles manœuvres ils pouvaient effectuer. Durant ce test, elle fut emmenée à ce qu'elle pensa être la zone 51. Nous avons été emmenés dans une installation médicale qui était très sophistiquée. Quelqu'un est venu et m'a emmenée jusqu'à une salle d'examen. Et là, on me fit allonger sur une table en inox. Puis quelqu'un rentra dans la pièce, fit le tour de la table jusqu'à être près du côté droit de ma tête. Il me répéta d'une voix monotone et vraiment impassible: restez calme, restez calme, restez calme. Je m'aperçus alors qu'il était tout près de ma tête, qu'il tenait une seringue hypodermique cachée dans sa main. Il l'enfonça directement dans le côté droit de mon cou et il injecta son contenu directement dans mon cerveau. Il lui aura fallu 15 ans pour décider de livrer ses informations. Ça m'a été très difficile d'en parler. Il me semble qu'à chaque fois que je raconte l'histoire, ça va un peu mieux. Mais la première fois que j'en ai parlé, c'était comme si ma bouche ne voulait même pas former les mots. Comme si les sons ne voulaient pas sortir de ma gorge. Tout ce que je peux déduire de cela, c'est qu'on m'a fait un lavage de cerveau pour ne pas en parler, pour ne pas m'en souvenir. Et si je m'en souvenais, pour ne jamais en parler à personne. Pas plus tard qu'il y a 10 ans, ce Lockheed A-12 qui s'envole de Groom Lake était encore l'un des appareils militaires les plus top secrets de l'US Air Force. Si vous l'aviez observé dans le ciel nocturne, on vous aurait pardonné de le prendre tout simplement pour un ovni. On peut alors se demander combien de centaines de milliers d'observations d'ovnis chaque année ne sont dues à rien d'autre que des engins militaires, et si le grand secret de Groom Lake ne serait pas simplement le descendant au 21e siècle de cet avion. Le premier pilote d'essai fut Lou Schalk. La première fois qu'il a vu cet avion, il s'est frotté les yeux. Il s'est retourné et sorti du hangar de production, puis est revenu sur ses pas. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Au départ, il comptait l'appeler El Salvador, et non Cygnus, pour la simple raison qu'en espagnol, cela veut dire « le sauveur » ou « Jésus-Christ ». Tous les gens qui voyaient l'avion ne pouvaient en croire leurs yeux. C'était un avion à la Buck Rogers. Cet avion fut construit et conçu il y a presque 40 ans. 40 autres années plus tôt, l'objet volant le plus sensationnel était le Sikorsky P-35. Et encore 40 années avant, c'était le ballon dirigeable. Alors on peut dire que la technologie ne s'est pas tournée les pouces. Il y a donc de très grandes chances pour ce que nous observons en fait d'OVNI soit un moyen de transport du 21e siècle dû à l'homme. L'US Air Force, d'après la dernière demande budgétaire, devrait dépenser à elle seule plus de 11 milliards de dollars dans la recherche, le développement et la production d'armes secrètes d'un genre ou d'un autre. C'est bien supérieur aux dépenses de toute la recherche et production militaire de n'importe quel autre pays du monde. Je suis vraiment inquiet car les équipes du projet Noir opèrent sans contrôle des commissions officielles, du Congrès si vous préférez, à l'abri du regard du public, avec des budgets occultes dont personne ne sait où ils vont ni pourquoi ils sont employés. Je trouve cela extrêmement angoissant, effrayant, le dernier cri d'un scénario à la Big Brother. Je crois qu'une des meilleures raisons pour tout classer secret est qu'il existe une sorte d'arme vraiment effrayante. Pensez maintenant à la quantité d'énergie que peut dégager ce dispositif de guerre si vous voulez le voir sous cet angle, et il est à l'évidence muni d'une arme potentielle.
Imaginez simplement la possibilité de déployer quelque chose de ce genre d'une manière virtuellement instantanée, n'importe où dans le monde. Vous avez un conflit au Moyen-Orient ? Combien de temps cela vous prend pour y envoyer un porte-avions ? Eh bien, ça prend un temps assez long. Et là, nous avons une arme effrayante qui vole, qui virtuellement peut aller n'importe où, d'une manière immédiate, et réduire un ennemi en cendres. Alors là, oui, c'est quelque chose qu'il faut garder secret. À n'importe quel prix, parce qu'il s'agit de quelque chose avec lequel vous pouvez presque conquérir toute la planète. Je suis convaincu que des êtres humains construisent des engins volants en forme de soucoupe. D'ailleurs, dès 1960, les militaires américains avaient mis au point un disque pouvant en manœuvrer silencieusement. Des soucoupes volantes fabriquées par l'homme existent en effet. Il y a l'Avrocar qui décolla en 1955 dans le secret le plus total, moins de 10 ans après qu'on eût soi-disant retrouvé des soucoupes extraterrestres à Roswell, Nouveau-Mexique. Un mémorandum de la CIA en 1955 affirmait que l'Avrocar était basé sur des recherches que menaient les scientifiques allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons obtenu le seul film jamais réalisé sur les premiers vols d'essai top secret effectués en 1960 au Nevada. Pourquoi a-t-on fait dans les années 50 cet essai militaire d'engins volants alors même que le projet Blue Book niait leur existence ? Était-ce un moyen de cacher les véritables soucoupes extraterrestres testées aux alentours de la zone 51 ? Tout comme le projet Blue Book, l'Avrocar fut soudainement stoppé à la fin des années 60, après que des millions de dollars eurent été dépensés. Aucune raison ne fut fournie. Plus récemment, l'entreprise Lockheed Skunk de Palmdale, Californie, dévoila le projet Dark Star, un avion de reconnaissance sans équipage. Qu'on l'observe dans un hangar ou dans le ciel, il s'agit bien d'un objet volant non identifié. Je crois qu'il est temps que vous jetiez un œil à la dernière née des stars du monde de la reconnaissance aérienne. Mesdames et messieurs, je vous présente Dark Star. Dark Star est un avion d'apparence très inhabituelle. Il possède une structure en forme de soucoupe et une paire de très longues ailes très minces fixées à l'arrière. Comme beaucoup d'avions furtifs, dont le B-2, son apparence change radicalement selon l'angle sous lequel vous l'observez. Si vous voyez cet avion d'une manière, disons, latérale, vous pourriez penser qu'il s'agit de quelque chose de totalement étranger, n'ayant rien à voir avec aucun engin conventionnel, et certainement plus proche de ce que les gens ont décrit comme étant des soucoupes volantes. Je crois qu'il est fort possible que certaines des choses qui sont actuellement mises au point aux États-Unis soient d'une nature tellement révolutionnaire et encore si secrète que lorsqu'elles sont parfois aperçues, car elles sont inévitablement aperçues à un moment ou à un autre lorsqu'elles sont testées, on peut les prendre pour ce que les gens pensent être des ovnis. Systématiquement, à tout moment, la technologie que nous possédons est de 5 ou 10 ans en avance sur la technologie dévoilée au public. Mais ce genre de choses ne volent pas au-dessus des têtes des membres du public médusés. Elles volent exclusivement dans des zones d'essai bien précises, des zones dangereuses. Et donc, les choses qu'on nous décrit comme des ovnis ne sauraient être les nôtres. Nous avons enquêté sur Dreamland durant plus d'une année. Bien que nous n'ayons pas vu de soucoupe volante ou de cadavres extraterrestres, nous avons vu des lumières dans le ciel et il ne pouvait s'agir d'avions, militaires ou non. Nous avons fait la preuve, sans l'ombre d'un doute, que la zone 51 et une vaste base souterraine à Groom Lake existent bel et bien. Nous avons vu des employés arriver et repartir en avion de cet établissement. Et nous avons parlé à des gens qui auraient travaillé à la zone 51, s'occupant de reproduire des engins extraterrestres récupérés. Nous avons vu de véritables images de soucoupes volantes créées par l'homme, à la fois d'origine américaine et d'origine russe. Et il y a des entrepôts dans tous les États-Unis qui contiennent des dossiers comme ceux-ci, pleins de rapports OVNI et de récits d'enlèvement par les extraterrestres. Toutes ces preuves sont-elles imaginaires ? Je ne le pense pas. Comme nous approchons de la fin du millénaire, l'humanité va devoir faire face à l'effrayante réalité. Nous ne sommes peut-être pas seuls. Et un nombre choisi d'officiels du gouvernement américain le savent depuis un certain temps. Il m'arrive de penser, comme toutes nos différences entre nations du monde entier disparaîtraient, si nous devions faire face à une menace extraterrestre venant d'un autre monde.
Et je vous le demande, une armée extraterrestre ne serait-elle pas déjà parmi nous ?